Bonjour. Salut. Bonjour, je m'appelle Marion Clavier, je suis vitrailliste et j'ai fait tout mon cursus à Olivier de Serres, du DMA au Master. Avec Marie Roland, qui est designer artisanale, on travaille sur un projet qui s'appelle Les Rêveries Salines, avec cet angle focus qui va être vraiment autour du vitrail et de la lumière. On va travailler le sel en résonance au marais salin d'Aigle Morte. On va vraiment prendre les vues du dessus, les couleurs, les nuances et les teintes qu'on peut y trouver et venir les appliquer dans ces compositions en verre et en sel. Les premières pièces sur lesquelles on a travaillé sont vraiment des pièces décoratives. On peut penser également plus en œuvre d'art à des dimensions plus importantes. Et on commence à faire des pièces fonctionnelles comme ce miroir et on va aussi tendre vers des luminaires. Impulser, c'est vraiment l'occasion pour moi d'être entrepreneur, d'être consciente du marché, d'être consciente de comment faire ma stratégie, ma communication pour qu'elle soit vraiment fidèle à mes valeurs, à mes aspirations et pouvoir installer une activité viable. On travaille à partir de la matière donc, qui est le sel, des salins du midi, donc le sel de table à assez gros grains, qu'on vient ensuite colorer. Donc on a vraiment plein de nuances selon la saturation des couleurs, les mélanges qu'on fait en allant du orange jusqu'au violacé, pour ensuite créer des plaques donc, qui viennent remplacer le verre et qui sont en résine biosourcée dans lequel on vient vraiment emprisonner le sel. On va l'associer à un verre matiéré. On a vraiment les reflets aussi, ce côté aquatique des marais salins. Et dans nos perspectives, c'est aussi d'ajouter peut-être des verres colorés ou matiérés. Donc là, qui sont thermoformés et qui rajoutent vraiment une expérimentation de la matière, le verre. On passe ensuite au montage, qui va être un montage traditionnel au plomb. On va vraiment venir faire de l'assemblage dans ce plomb en U, qui nous permet d'assembler ces deux parties. Et ensuite, on passe sur la dernière étape, la soudure, qui va nous permettre vraiment de faire un vitrail monté de A à Z.